Ici vous accueille Roger de Rambutin, comte de Russie. Alors Roger de Rambutin est né en 1618 et il est le troisième garçon de la famille. Alors étant le troisième garçon de la famille, il est voué d'abord à une carrière religieuse. Donc il va faire ses études chez les jésuites, mais ses deux frères aînés vont mourir très jeunes, donc il va devoir embrasser la carrière militaire de son père. Donc c'est ce qu'il fait à l'âge de 16 ans. À 16 ans, il remporte sa première bataille sous les ordres. Portraits de grands militaires de différentes nationalités et de différentes époques qui ont tous été choisis par Roger de Rambutin pour leur grande valeur militaire. Alors il est fait disposer de façon chronologique. On commence ici au registre supérieur avec Bertrand du Guesclin. On fait une fois le tour de la pièce et on reprend ici avec Henri de Lorraine et on refait une fois le tour de la pièce à l'étage inférieur pour la chronologie. Alors parmi ces grands militaires, il y a un grand militaire qu'on a déjà vu. Lui-même ? Pas beaucoup, un seul lui-même, c'est le but de cette frise. Il sait qu'en étant exilé ici, l'histoire va oublier. Donc il fait la frise des grands militaires pour voir sa cérémonie. Alors où est-il ? À la fin. Fin là. Mais c'est pas lui. Alors dans la scène précédente, il a mis son portrait à la place de mer, au-dessus de la cheminée, en face de la porte. Ici, la cheminée derrière les deux portes que vous avez là. Donc le portrait n'est pas à la place d'honneur, il est dans un coin. Alors il n'a pas mis son portrait ici au hasard, il donne une explication. Alors est-ce que vous pensez ? Alors je viens de vous dire, dans la salle précédente, c'est une salle qui a très peu bougé par rapport à ce qu'elle était au 17e. Alors ici, elle a complètement été transformée. À l'époque de Roger Rambutin, comme dans la salle précédente, vous vous imaginez, vous aviez deux rangées de portraits avec les portraits de sa famille. Ici, vous aviez une alcôve avec le lit, et cette alcôve ensuite donnait dans le cabinet qu'on va visiter. Et les comtes de Sarcus, au 19e siècle, ils vont changer cette pièce, ils vont la séparer en trois pièces, et ils vont installer tous les portraits que vous avez ici. Et ensuite, c'est l'État, quand l'État va racheter le château au 20e, et va supprimer l'État va supprimer les trois pièces pour redonner ce grand espace pour faciliter les visites. Mais toujours en conservant les tableaux que les comtes de Sarcus avaient installés ici au 19e. Et alors ici, ce sont principalement des portraits de maîtresses de roi de France. Alors tous ces portraits de maîtresses de roi de France, Roger de Rambutin ne les avait pas installés ici dans sa chambre, lui il les avait installés dans la galerie qu'on visitait en dernier. Il avait mis les portraits des maîtresses de roi de France dans la galerie, en face, les portraits des rois. Voir le portrait des maîtresses des rois en face le portrait des rois, ça te faisait beaucoup rire. Au 19e, ça plaît un peu moins. Donc on va ramener les portraits des maîtresses dans la chambre et les portraits de la famille vont être ramenés dans la galerie. Alors il reste quand même quelques portraits de la famille de Roger de Rambutin, et notamment ce triptyque. Alors est-ce que vous connaissez la personne qui est à droite ?
Madame de la Sablière, elle tenait un salon littéraire, et elle était la protectrice, la mécène de Jean de La Fontaine, qui lui dédiait ses fables. Jean de La Fontaine, qui était un contemporain de Roger de Rambutin, et dont Roger de Rambutin prêtait beaucoup les fables et les écrits. Et dans la salle des devises qu'on a visitée au début, il y a une des devises qui fait référence à une des fables de La Fontaine. Ah oui, c'est celle... le roseau. C'est ça, le roseau. Chêne et le roseau. Vous avez un roseau sur la devise qui est courbé, qui représente Roger de Rambutin. Il y a marqué « Toi, mais ne passe pas. »« Je ploie, mais ne romps pas. » »« Je plie aux ordres de Louis XIV. » Je viens ici en exil, mais je ne romps pas. Je lui tiens encore tête. Et on va le voir dans son cabinet de travail. Alors, je vous invite à rentrer. Par contre, il n'y a que trois sièges, donc on va être très confiant. Alors ici, on arrive dans la dernière scène des appartements de Roger de Rambutin. On arrive dans son bureau, dans son cabinet de travail. Donc il avait installé son cabinet de travail ici, car vous voyez, il y a plein de grandes fenêtres, il y avait le soleil toute la journée, travailler. Alors une fois de plus, il nous accueille à la place d'honneur, au-dessus de la cheminée, en face de la porte. Il est représenté ici à l'âge de 20 ans, en officier romain. Sous son portrait, il rappelle le grade militaire qu'il obtient à cet âge, maître de camp général de la cavalerie légère. Mais alors, quand vous êtes tous entrés, vous avez fait un affront à Louis XIV, vous avez tourné le dos, car Louis XIV est passé une seconde place. Là-haut, tous les portraits du second niveau ici, tous ces portraits de grands personnages de la cour, c'est pas Roger de Rambutin qui va les installer ici. C'est les propriétaires du XVIIIe siècle. Et le portrait de Louis XIV, c'est les propriétaires du XIXe siècle, du comte de Sarcus, qui vont l'installer là, mais toujours dans l'esprit de Roger de Rambutin, car sous le portrait de Louis XIV, ils font inscrire Louis XIV, roi de France, les délices et la terreur du genre humain. Roger de Rambutin, lui, au XVIIe siècle. Alors si vous voulez vous asseoir ici, vous pouvez. Dessous, ce n'est pas un soleil qui est représenté, mais une lune. Voilà.